Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Adventures où je vais vous énoncer les annoncer plutôt les prochains personnages. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Ça me soutiendrait et ça me ferait juste une petite proposition sur le gacha game de YouTube. Sur ce, on commence. Un nouveau amiral de la marine Akainu. Donc, amiral en chef Akainu qui sortira dans les prochains mois, je pense. Un Burgess. Également Burgess de l'équipage de Barbe Noire, Chopper masqué, Foxy de l'arc de Foxy avec Afro Luffy, Jinbei Gyojin, Neko Mamushi, Inuarashi, Wano Funky, un autre Luffy, Bunkley de l'arc Impel Down, Robin Enies Lobby, Robin Wano, un autre Sanji qui n'a pas été négé à 100%, Sentomaru, Shiryu, Usopp, Wano. Celui qui a combattu l'un des personnages de l'équipage de tous les animaux. On passe aux autres personnages. Donc, il y en a qui sont déjà sortis. Comme par exemple, Garp Jeune, Garp Prime, et comment il s'appelle Barbe Blanche Younger. Donc, Barbe Blanche de l'ère Golden. Du coup, on aura un Dressrosa, Usopp, Carotte, Gaiman, Koala, Vivi Princesse et Viper. Viper, je sais pas comment on pourrait prononcer ça. Et on va terminer avec les derniers personnages. Wano Group, qui ont été liés à 100% avec les compétences. Avec les compétences Wano Group. Donc, skill 1, Ice Trust. Et skill 2, Ice Explosion. Donc, deux compétences, je pense, qui se basent sur du gel. Punk Franky de l'arc de Punk Hazard. Là, il a pas été leak à 100 fois, je me suis trompé au début, mais il a pas été leak à 100%. Mais tout simplement, l'une de ses deux compétences, c'est une compétence chargée qui s'appelle le Beam. Celui où il envoie un gros laser, si vous en souvenez. Le Younger, bon, ça vous l'avez vu, pas besoin de passer à ça. Le Chimps Time Stick, sa deuxième compétence, c'est balle aquatique, si je fais la traduction. Et le Whitebeard, ça a été déjà fait. Sur ce, je pense avoir tourné un peu autour de tous les personnages qui vont sortir prochainement. Les personnages que je vous ai énoncés au début n'ont pas eu une construction totale sur leur modèle. Je dois attendre, je parle de la première liste, donc là où j'ai annoncé Akainu amiral en chef, Burgess, Chopper, etc. Eux ne sont pas modelés à 100%. Les caractères qui ont été modelés à 100% mais qui n'ont toujours pas eu leurs compétences, leurs traits, etc. Comme je vous l'ai énoncé, c'est Dressrosa, Usopp, Carotte, Gaiman, Koala, Vivi Princesse et Viper. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. On se retrouve ce soir pour un live à 19h. Et sur ce, prenez bien soin de vous. Peace. Ciao.